deux phases. Une première phase, une première mi-temps qui a été intéressante dans le jeu. Malgré un manque d'efficacité une nouvelle fois, on marque quand même deux buts par l'intermédiaire de Gridge. Là, on a utilisé vraiment, les filles ont fait preuve de beaucoup d'écoute. Elles ont respecté les consignes avec les utilisations des côtés, avec l'utilisation des espaces libres, avec de la simplicité dans le jeu. Et ça a été vraiment vraiment de bonnes choses. Après une deuxième mi-temps, une deuxième phase qui était plutôt décevante. Décevante parce qu'on a manqué de rythme, on a manqué de tempo, parce que les filles ont commencé à peut-être à trop porter le ballon, à jouer un peu trop individuellement. Et à la sortie, je pense que cette deuxième mi-temps était un peu insipide et pas à la hauteur de mes espérances. Ce genre de match, on doit être capable de gagner 4, 5, 6-0. Malheureusement, ce soir, on gagne que 2-0. Alors, bien sûr, il y avait un petit peu le terrain qui n'était pas facile, les conditions climatiques où il faisait quand même très très chaud, mais ça n'empêche pas qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux que ça dans les intentions et dans les actes. Pour Paul Slasher, en même temps, donc le changement pour l'équipe de France avec l'entrée du numéro 2, Eve Périssé. C'était l'occasion de donner aussi un peu de temps de jeu et puis de préserver les organismes qui ont beaucoup souffert tout au long de la semaine avec des températures à 35 degrés. Donc oui, il y avait de la fatigue. Donc il fallait ne pas, on va dire, aller au-delà des réserves. Donc une revue d'effectifs et puis ça m'a permis de revoir certaines aussi et de mettre en place une organisation qu'on n'avait pas encore utilisée depuis mon arrivée. Le stage, c'est toujours bien, et il est validé par une victoire, donc ça c'est toujours très positif. Validé par des intentions, des envies, mais sur la durée, en termes de compétition, on a toujours du mal. Et donc il va falloir, je pense, vraiment s'améliorer. Il va falloir aussi prendre conscience qu'il faut être plus rigoureux, être rigoureux sur 90 minutes et ne pas vouloir en faire plus que ce qu'on peut demander. Et à partir de là, on aura certainement de belles satisfactions. Quoi qu'il se passe, ce stage est une réussite à tous les niveaux, de par le public qui est venu déjà nous accueillir tout au long de la semaine, nous a reçus chaleureusement. Le nombre de spectateurs, pratiquement 9000 personnes ce soir, qui étaient présents, qui sont venus nous encourager, beaucoup de couleurs. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de partir de cette île de cette façon. On y reviendra certainement dans les années à venir. Et les filles vont retourner en club, vont retrouver leur compétition avec la D1, mais aussi la Coupe de France. Et dans un mois, on sera prêt pour un vrai combat avec trois très grandes nations. Et là, il va falloir vraiment montrer des choses peut-être encore différentes.